Maurice-André, on te surprend entre deux voyages, puisque tu es, je crois, l'un des premiers virtuoses de l'instrument à te promener dans le monde, hein? Oui, je crois. Donc, je veux dire, avant toi, qu'est-ce qu'il y a comme virtuose de la trompette? Je sais pas, il y a eu quelques trompettistes, mais virtuoses qui voyageaient dans tous les grands orchestres, je pense qu'il n'y en avait pas, non? Justement, alors c'est une position très originale. Il faut bien que les téléspectateurs se rendent compte que tu n'es pas particulièrement un colosse de 2,50 m de haut, mais que c'est la trompette qui est petite. Merci, hein? C'est très gentil de le dire. C'est une trompette piccolo. Oui, trompette piccolo qui a été construite par la maison Selmer pour toutes les œuvres baroques, musique ancienne. Et... Parce que c'est virtuose ou parce que c'était comme ça ou pourquoi? De par la tessiture et de par le son. Pour que ça se marie plus mieux avec les petits ensembles d'orchestres de chambre. Avec hautbois, avec flûte, comme on est toujours en fugue avec ces instruments-là, ne pas les écraser, pour être gentil pour les camarades. Oui, parce que quand tu te mets à jouer deux notes de ça, c'est effrayant, les gens entendent. Ah oui, c'est effrayant. Et si on employait la grande trompette pour jouer la musique baroque, on écraserait littéralement nos amis. Donne-nous on les faire des gestes et rien. Tu peux nous donner l'intensité, les variations d'intensité qu'on peut faire avec cela? Ah oui, on peut jouer très très fort. C'est fantastique, ça. Et tu peux jouer tout à fait pianissimo, tout de même. Ah oui, on peut jouer des phrases très jolies. Dans les pays étrangers, tu fais combien de kilomètres par an? Je faisais le compte dernièrement, je fais presque tous les ans un aller lunaire, aller-retour. Un aller-retour, lune. On me demande pour jouer le rôle d'un soliste instrumentiste comme le piano, comme le violon, et je vais avec ma petite trompette jouer des œuvres baroques selon le programme qui a été établi par les gens du concert, de l'association des concerts. Alors tout le monde t'a entendu dans le concert de Haydn, dans les Brandebourgeois, dans le deuxième Brandebourgeois, oui. Particulièrement. Et puis il y a quelque temps, ce best-seller, le concert de Hummel. C'est la précision surtout des attaques. Ça, je crois que c'est célèbre dans ta manière de jouer. Est-ce que c'est vraiment une disposition particulière de tes lèvres ou quoi? Des années de travail, je crois. Depuis 14 ans, j'ai étudié pendant 5 ans la sonorité, les attaques sur l'instrument. Pendant 5 ans. Est-ce que ça représente beaucoup de temps passé pour seulement les attaques et la sonorité. Et maintenant, tu as le temps de travailler un petit peu, non? Bien, maintenant, je n'ai pas tellement le temps de travailler. Mais comme je connais tous les concertos, techniquement, ce que je travaille surtout, c'est toujours mes attaques et la sonorité. Pour garder la sonorité assez belle et ne pas avoir des attaques qui déchirent, qu'on appelle vulgairement le canard chez le trompettiste. Au point de vue de la fatigue, de la physique, qu'est-ce que ça représente comme... C'est très dur de voyager, c'est très dur. J'ai eu des fois des problèmes formidables. L'an dernier, je me rappelle, je jouais à Helsinki, moins 40, et le lendemain à Rome, plus 30, et ça c'était terrible. Surtout pour un méridional, Helsinki, j'étais plus à l'aise à Rome qu'à Helsinki. Mais le contraste de 70 degrés est terrible à supporter. Est-ce que ça te fatigue aussi les oreilles? Quand on va dans le super aigu, surtout pour le fameux deuxième brandebourgeois, où il y a peu de trompettistes au monde qui jouent ce deuxième brandebourgeois, on est dans une tessiture anormale, on a une pression de 25 kg dans la tête. C'est quelque chose d'incroyable. Pour les lèvres, tu n'as jamais eu de problème? Non, pour ça, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de ça chance tient à quoi? Je ne sais pas, je crois que ça tient à la circulation du sang. J'ai étudié beaucoup mes élèves, comme je suis professeur au Conservatoire National de Paris, j'ai étudié tous mes élèves. Et mes élèves qui n'ont pas de résistance, en principe, sont des gens qui ont une mauvaise circulation de sang. Moi, j'avais entendu autrefois, justement, avec M. Scherbaum. Oui, c'est Adolf Scherbaum, qui est un très grand trompettiste allemand classique. Mais nous avons un monsieur surtout qui a fait une grande école en France, c'est M. Sabarich. Ah, oui. Monsieur Raymond Sabarich, qui a été le professeur de pas mal de très bons trompettistes qui sont en France, qui remportent tous les concours internationaux. Et toi, on te demande de temps en temps, peut-être même de prendre la place de soliste dans certains orchestres. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, on m'a proposé plusieurs fois. Maître Karajan m'a proposé la Philharmonie de Berlin, mais je crois arriver où je suis, virtuose. J'ai travaillé tant d'années pour arriver à ça que je n'avais pas
laisser cette carrière de soliste, qui est d'ailleurs la plus intéressante. Une carrière de virtuose et soliste est plus intéressante que l'orchestre. Mais tu as tout fait, du cabaret, tout. Oui. Avant d'arriver là, je crois que tous les musiciens, en France particulièrement, doivent faire un petit peu de tout. Hein. Faire un petit peu de jazz, de variété, du nightclub. Et puis le soir, jouer les Brandebourgeois à Pleyel. Et c'est la vie du musicien. En général, quand tu fais des tours du monde, tu te promènes surtout avec cette petite trompette-là. Oui, pour la musique baroque. Mais au conservatoire, quand tu enseignes surtout sur l'autre, oui, sur les grands. Oui, la grande trompette, c'est celle qui est la plus utilisée. Celle-là a quatre pistons. Oui, celle-ci a quatre pistons. Oui, elle a une particularité sur les autres. On a mis un piston qui permet de faire des notes supplémentaires dans le grave, d'étendre la tessiture, surtout dans le grave. Et on s'en sert, comme je dis, pour la musique baroque. Et c'est la plus utilisée dans les orchestres en France, pour toute la musique classique, dans tous les pays du monde. C'est la grande trompette en ut. Elle est de tonalité, il y a à peu près 1,9 m et quelques de tubes entourés, comme on voit dans tous les sens. Alors comment passe l'air là-dedans? Comment passe l'air? Bon, alors donc, on produit le son avec l'embouchure. On produit le son, on doit faire... L'air est projeté dans ce tube où il y a déjà de l'air. Et pour obtenir une belle sonorité, il ne faut pas bousculer cet air. Sinon, on a un son un petit peu de clairon, comme on dit vulgairement. Et si on attaque très doux, qu'on chasse l'air très doux, on arrive à avoir une très, très belle sonorité. Et tout cet air défile dans tous les tuyaux. Et arrivé ici, nous arrivons sur un corps sonore. Nous pouvons faire plusieurs notes, c'est-à-dire do, sol, do, mi, à vide, c'est-à-dire sans les pistons. Et en passant dans chaque piston, on arrive à avoir ici un ton, ici un demi-ton et ici un ton et demi. C'est pour ça, de ce fait, qu'avec trois pistons, on arrive à faire une multitude de notes, et en plus avec les lèvres, en pinçant ou... Alors par exemple, à vide... Alors à vide, vous voyez, on peut faire... En bêchant, on peut faire... Un ton. Bien sûr. Et on peut descendre d'un demi-ton avec le piston du milieu. Et avec le dernier, un ton et demi. Sol, fa, mi. Ah, évidemment, il faut apprendre tout ça. Il faut apprendre tout ce mécanisme. Ici, nous avons un tuyau pour essayer d'accorder quelques notes qui sont toujours terriblement fausses. Il y en a certaines qu'on peut arranger sur la trompette, d'autres qu'on ne peut pas. Alors ici, on a prévu un anneau avec une coulisse. Ici, c'est pour enlever l'eau. Je m'excuse. Qui peut faire varier d'un demi-ton, d'un quart de ton? Presque un demi-ton. Ah oui. C'est pas très joli, mais c'est pour voir... Et ici, nous avons une clé d'eau que nous appelons, parce que selon les salles de concert où nous sommes, il y a toujours une condensation du corps humain, c'est-à-dire qu'on a une chaleur à peu près de 29 ou 30 degrés. Et si on est dans une salle qui est inférieure à ça, il se produit une condensation. Et alors celle-là, elle est plus petite, celle-là, non? Celle-là est plus petite, oui. C'est celle qui a été construite pour être en deux tonalités, ré et mi bémol. Celle-ci, c'est pour jouer la musique romantique. Parce que le son est très chaud et très beau, il n'éclate pas comme celle pour l'orchestre. Et on peut adapter, vous voyez, une coulisse en plus pour la mettre dans une tonalité différente. Comme c'est marqué dans les partitions. C'est marqué, oui, beaucoup de partitions où il y avait des transpositions. Les trompettistes ne transposaient pas à une certaine époque, à l'opéra. Ils changeaient les coulisses continuellement pour mettre les trompettes dans toutes les tonalités, alors il fallait tout un tas de tubes de... Et maintenant, vous transposez... On transpose couramment, mais enfin, on adapte souvent pour des partitions de trompette en ré, et certaines cantates de Bach, on la met comme en ré, et c'est beaucoup plus facile techniquement. Elle a une sonorité chaude, celle-là? Ah oui, je crois que la sonorité est très jolie pour le Haydn, pour... Toujours trois pistons. Toujours trois pistons. Est-ce qu'on pourrait entendre avec ces trois trompettes qui sont là, puisqu'on a la famille un peu, sauf la trompette basse, est-ce qu'on pourrait entendre la même phrase à peu près, cette phrase-là, par exemple, du concerto de Haydn? Oui, alors automatiquement, elle va se retrouver, la même phrase, dans des tonalités différentes. Oui, ça fait rien, c'est le son. La même doigté, la même tonalité, on va se retrouver avec une tierce au-dessous. Oui. Ah,
l'oreille, il m'a dit tout de même qu'il n'y avait qu'un ton de différence. Oui. Comment? Attendez. Il n'y a qu'un ton de différence. Oui. Ah oui, parce qu'elle était en ré. Ah, je oui. m'excuse, oui, ma chère maître. Et alors j'avais là pas mis la, je croyais avoir mis la coulisse en mi bémol. Beaucoup plus aiguë. C'est pas du tout ce qui convient. Non, je pense pas. Ça ne va pas du tout pour la musique romantique. Mais au conservatoire, puisque tu viens d'être nommé professeur de trompette, de la classe de trompette, c'est bien cet instrument-là que tu enseignes. Oui, c'est la trompette à nut, oui, que j'utilise au conservatoire parce que c'est celle qui est le plus employée pour tous les grands orchestres symphoniques. C'est la base du travail. La base du travail, oui. Alors, quels sont les problèmes qui interviennent pour les élèves? Est-ce que c'est les lèvres? Est-ce que c'est le placement des doigts? Beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a la technique qui est très difficile. Il y a toujours la sonorité, les attaques, l'aigu, le grave. Des questions physiques aussi. Il y a des milliers de problèmes pour un trompettiste. Et il faut toujours les prendre avec le sourire. Donc on commence par jouer du cornet. Oui, j'ai mon fils qui travaille actuellement et je l'ai commencé par le cornet à piston. C'est donc cet admirable instrument qui abolit les durées et les espaces et qui sait métamorphoser le souffle de l'homme comme pour lui permettre de dialoguer avec le soleil.